David, donc, je suis président de l'association de Nordic Walking Adventure. Je suis instructeur en marche nordique. Je pratique la marche de la compétition en loisir. Et je pratique en famille avec Sophie et puis nos deux enfants voilà, depuis 2008. Et donc moi j'ai appris la marche nordique en 2008, effectivement, c'est David qui m'a appris. J'ai 34 ans, je suis ostéopathe et c'est vrai que je suis vraiment tombée amoureuse de ce sport et c'est un vrai plaisir de partager avec la famille. Avec donc Red Light, on s'est donc rencontré pour mettre en place une très belle aventure qui va se dérouler en 2019 et qui est le Tour de France des stations Nordic Walk. Ce sont des stations dans lesquelles vous trouverez des itinéraires permanents et balisés, spécialement conçus pour la marche nordique, entre 5 et 20 km, donc pour tous les niveaux. C'est super pour organiser une sortie, un week-end ou un séjour de marche nordique entre amis, en club ou en famille. Soit en autonomie, soit encadré bien sûr, puisque des stages d'initiation et de perfectionnement sont organisés toute l'année par les professionnels locaux. Le réseau compte aujourd'hui plus de 7 stations Nordic Walk, avec des paysages et des parcours très différents. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les topos, les parcours, sur le site et l'appli Station Nordic Walk, qui vous guide par GPS en live sur tous ces superbes itinéraires des stations Nordic Walk. Et pendant ces rendez-vous, du mois de mars au mois d'octobre, eh bien, on va vous proposer tout simplement un lot de conférences avec plein de thématiques en lien avec la marche nordique. Vous pourrez le samedi faire des initiations et puis le dimanche, eh bien, il y aura une grande marche, un grand rassemblement où on ira tous marcher ensemble. Eh bien, nous vous invitons surtout à nous retrouver, à venir marcher avec nous, à venir découvrir la marche nordique, qui est vraiment un sport très intéressant pour tout le monde et on peut surtout le faire en famille. Voilà, Pépette nous suit, le grand nous suit aussi, donc c'est accessible à tous. Donc, venez nous rejoindre pour bien s'amuser ensemble. Sur ce Tour de France, entre mars et octobre 2019.